Bon, et ben heureusement que la ligne est juste là, parce qu'après il n'y a plus de vent. Ah, l'équipe technique qui arrive. Vas-y, on voit le matériel. Ok. Ouais. On te manquait. Ouais. Et des fois, bah, tu... Une fois que t'as passé le cap, tu te relâches tout un Ok, donc on est rentré dans la zone de déclenchement des 24 heures à quelle heure? À 18h56. Hop. Bon, 18h56 pour demain. H24, c'est parti. Du coup, on a 24 heures pour réparer le safran. Donc il faut attendre la pièce qu'on a fait faire. On a reproduit exactement la pièce à l'identique, enfin un peu plus costaud d'ailleurs, qui a été faite à l'usinage à Brest. Et donc cette pièce est acheminée, elle arrive par avion ce soir. Et donc on récupère Loïc qui arrive dans 2h30. Non, c'est super beau ici, il y a des couleurs de ouf. Je suis déjà venu il y a 10 ans pour la Volvo Ocean Race. Des bons souvenirs. Voilà, l'idée c'est pas de faire du tourisme, on n'est pas là pour ça. Là, on vient de passer la. On a 24 heures top chrono pour réparer et repartir. On pourrait faire ça en moins d'ailleurs, mais le règlement nous impose 24 heures d'arrêt. Donc, wow. on a 24 heures pour réparer le safran. C'est pas exactement le safran, c'est le système de barre qui est cassé. Le safran n'a rien, heureusement, mais. On a fait acheminer donc la pièce, et donc il faut juste la remplacer et vérifier que tout fonctionne. Pendant ce temps-là, moi je vais sûrement aller me reposer un petit peu à l'hôtel, prendre une douche, ça va faire du bien. Et Elliot et Loïc vont rester dehors avec le bateau. Ça va faire 3 semaines demain, c'est passé hyper vite pour le moment. C'était pas du tout prévu que je m'arrête, évidemment. Ça fait bizarre de se retrouver à terre d'un coup, enfin je suis pas à terre encore, mais de renouer avec l'organisation, le team, le fait de tout à l'heure aller sur terre. Ça fait un petit stop dans l'histoire, c'était pas prévu du tout, j'avais pas prévu de le faire en plus, mais on savait que c'était possible, donc là de toute façon je peux pas faire autrement. Fatalement, la pièce que j'ai cassée, elle n'est pas réparable sans passer par la case terre. Voilà, on prend l'aventure comme elle vient. Ça va me permettre de repartir plus sereinement dans les mers du Sud, de toute façon. Et puis voilà, on garde en tête l'objectif qui est de terminer cette course. Voilà, on est dans les temps, on perd. Forcément, c'est très frustrant de perdre autant de temps. Là, je pense qu'au total, on perd 4 jours. Parce qu'en gros, on perd du chemin pour venir ici, les 2 jours d'arrêt, et puis les 2 jours pour reconnecter à une météo.
Correct.